Les Frères, distilleur et parfumeur depuis 1826, est très heureuse de vous recevoir ce soir. Red time, jazz time, swing, any old thing to help me ease the pain. Au nom de la maison Jeux Les Frères, je suis ravi de vous recevoir ce soir dans ce magnifique endroit qui est le Casino de Paris, un endroit de légende, puisqu'il a vu défiler les plus belles femmes de Paris à la Belle Époque, dont certaines d'entre elles, ça ne vous a pas échappé, étaient l'égérie de la maison Jeux Les Frères. Merci, vous êtes en Chongo, Tsanja. Cette alchimie entre le parfumeur et le distillateur nous donne toute notre raison d'être et donne l'originalité à cette maison. Le parfumeur, c'est un artiste, c'est un peu comme un compositeur de musique qui a envie d'écrire une belle mélodie. Le distillateur, lui, c'est un chercheur, c'est comme un scientifique qui va chercher à extraire au fond d'un pétale de rose ou d'un brin de lavande la meilleure huile essentielle pour mettre dans des formules de beauté. La marque va revenir dans son quartier historique à Paris, quartier Opéra. Nous allons ouvrir en 2016 un grand magasin. S'implante en Chine. C'est un pays donc de 5000 ans d'histoire avec une longue tradition de la médecine traditionnelle avec l'utilisation des plantes. Donc partage beaucoup de valeurs avec la maison Jeux Les Frères. Nous avons reformulé 5 élixirs créés à l'époque pour les femmes célèbres et que nous vous allons remettre au goût du jour. François Sabater, je suis le président du groupe Technicoflore. Nous sommes des créateurs de parfums dans le monde entier. C'est une vieille maison, ancienne, mais qui a aujourd'hui beaucoup d'atouts pour être dans les leaders. Nous sommes en pleine création aujourd'hui pour des élixirs et d'autres produits et nous sommes ravis de faire partie de leurs partenaires. C'est vraiment des parfums à l'ancienne, comme ça se faisait avant les années 1920. C'est plus de l'art que de la chimie. J'ai toujours voulu revoir la parfumerie Jeux Les Frères se relancer. On revient à l'essence de la marque, mais aussi à la tradition du parfum. Le retour à la nature, qui est en fait très demandé actuellement par beaucoup de consommateurs, finalement. Je crois que c'est une réussite, je suis ravi. Nombreux invités ont répondu à l'appel, beaucoup de journalistes français, beaucoup de journalistes chinois aussi. Cette soirée est à l'image de Jeux Les Frères et de la belle époque, c'est-à-dire l'époque de l'émancipation de la femme à laquelle Jeux Les Frères a fortement contribué. C'est ça qu'on voulait partager ce soir, ces valeurs sur la femme émancipée, non seulement dans ses tenues, dans son attitude, mais aussi dans sa beauté.